1, 2, 3, go. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie dans le sud de la Thaïlande. L'épisode d'aujourd'hui est sur ma vie de guide à Koh Phi Phi. Alors, comme je vous le disais, après que je sois parti un mois en vacances du 11 avril 2016 au 11 mai 2016, je suis revenu en France et mon ami qui avait ce trek sur l'île m'a proposé de revenir en juillet, août, septembre, octobre pour pouvoir assurer le trek puisqu'il n'y avait personne de disponible étant donné que lui devait revenir travailler en France et que... Voilà, il n'y avait pas de, il y avait personne pour pouvoir faire le guide, donc il m'a proposé tout simplement à moi. Et j'ai trouvé l'idée géniale. J'avais déjà fait le trek deux fois avec lui quand j'étais parti en vacances. Donc en fait, le trek consistait à partir de la plage principale de Koh Phi Phi, Tonsai, et de gravir les trois points de vue jusqu'au point le plus culminant en fait de Tonsai. Et donc en passant par le point de vue numéro 1, numéro 2, numéro 3, avec des vues superbes sur l'île, hein, voilà, un parcours un peu physique, mais pas non plus insurmontable. Donc une fois qu'on arrive au point de vue numéro 3, on redescend par la jungle pour atteindre l'autre côté de l'île, qui s'appelle Koh Phi Phi Village, où il y a principalement des resorts de luxe et toute une communauté de pêcheurs natifs musulmans. Donc on visite ce petit village avec une petite halle pour ceux qui ont envie de manger quelque chose ou de faire une petite pause. Ensuite on traverse la mangrove, hein. C'est plutôt ça, on traverse la mangrove pour marcher jusqu'à une plage où on escalade un peu les rochers à travers la jungle pour enfin finir sur une petite plage privée qui s'appelle Nui Bay, qui est vraiment une toute petite crique, vraiment magnifique. Hein. Je sais que j'avais emmené ma mère et malgré le fait que le parcours n'était pas non plus très facile parce que gravir les rochers, etc., ça a été un moment assez difficile. Cette petite crique est vraiment magnifique. Vous arrivez sur ce petit bout de plage perdu avec un rocher au milieu, c'est vraiment magnifique. Il y a une petite cave où on peut se mettre dedans pour regarder le coucher de soleil. Je sais qu'il y a, pas mal de gens qui sont venus me visiter quand j'étais à Koh Phi Phi et ils avaient pu profiter de cette petite cave aussi qui était vraiment magnifique. Voilà, cette petite plage Nui Bay est aussi accessible en kayak pour ceux qui aimeraient le découvrir ou par bateau hein, quand c'est marée haute. Maintenant, ce trek dans la jungle avait pour but en fait de découvrir une autre partie de l'île qui est loin d'être cette partie touristique de fête où on peut vraiment découvrir là, une vraie jungle, le côté Koh Phi Phi Village qui est encore différent et puis finir sur cette petite plage, admirer le coucher de soleil, profiter de la nature, de la faune, de la flore parce qu'il y avait énormément de Bernard l'Ermite. Donc quand le soleil se couche, c'est très amusant de faire des courses de Bernard l'Ermite. Et c'est vrai qu'on s'était beaucoup amusé à faire des espèces de tunnels dans le sable et du coup on mettait nos Bernard l'Ermite et ils se couraient après. Et une fois que la nuit était tombée, donc on revenait à Koh Phi Phi par un autre chemin de jungle et qui en soi n'est pas spécialement très dangereux tant qu'on est dans la saison haute. Parce qu'à partir du moment où on arrive dans la saison des pluies, comme je vous disais, c'est la reproduction de certains serpents venimeux. C'est un type de Russell Viper. Donc le problème de cette Russell Viper, c'est qu'elle évolue, comme je vous disais. Son venin peut évoluer, il est très très agressif, très venimeux. Et durant cette période, cette vipère est très territoriale. Ce qui veut dire que malheureusement, si vous ne faites pas le nécessaire pour la laisser en dehors du chemin et qu'elle est sur votre chemin, eh ben, y a des chances qu'elle soit très agressive parce qu'elle est en période de reproduction et territoriale. Donc au début... Au mois de juillet, tout s'est bien passé. J'avais pas de trek tous les jours. À savoir que pour un trek à peu près, je pouvais gagner jusqu'à presque 20 euros par jour. Donc ce qui est pas mal. Sauf que bah, la saison des pluies, il pleut. Le temps est pas forcément là. Les gens ont pas forcément envie de faire un trek quand il fait pas beau. Et ça se comprend. Donc il y avait pas de trek tous les jours. Et il y avait pas forcément beaucoup de monde tous les jours. Donc c'est vrai que le salaire varie en fonction des clients.
Et si vous avez que 2 clients, bah le salaire sera plutôt bas, de l'ordre de 5-6 euros. Si vous avez 6-8 clients, voilà, bah vous pouvez arriver jusqu'à 20 euros par jour. Alors, comme je vous disais, malheureusement, cette partie-là, j'étais en touriste. C'est bien sûr illégal. À savoir que, en tout et pour tout, sur les 4 mois, j'ai dû gagner peut-être 500 euros, pas plus. Et le fait de ne serait-ce que vivre à Koh Phi Phi pendant 4 mois m'a coûté un peu plus de 500 euros. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais la balance entre effectivement, j'ai travaillé illégalement, mais je gagnais pas assez d'argent pour en profiter vraiment. Si j'ai pu rester aussi longtemps à Koh Phi Phi avant d'avoir un travail un peu plus fixe, on va dire, c'est grâce à mes économies et l'argent que j'avais de France. Donc du coup, le mois de juillet se passe vraiment bien, le mois d'août c'est plutôt cool. J'avais déjà rencontré Yana à ce moment-là et elle en pouvait plus de la France, donc au mois d'août elle a décidé de tout lâcher et me rejoindre. Donc du coup, on s'est installé ensemble dans une petite maison dans la jungle d'un ami thaïlandais qu'on a retapé comme on pouvait pour avoir un minimum de confort. Mais c'est vrai que ça nous libérait le fait de plus avoir de loyer. Et sur Koh Phi Phi, le loyer, pour avoir une bonne chambre, faut compter à peu près entre 250 et 350 euros par mois, ce qui est quand même un budget. Et après, vous pouvez trouver vraiment des toutes petites chambres, mais c'est super glauque, hein. Ça, y a que les locaux, vraiment les Thaïlandais, les Birmans locaux qui utilisent ce genre de chambre, et c'est une centaine d'euros par mois. Donc ça reste quand même cher. Parce que la vie sur Koh Phi Phi, bah oui, elle est chère. Et si vous vous débrouillez bien, vous pouvez quand même vous faire un bon salaire. Voilà, le mieux est de le faire en toute légalité, bien sûr, parce que n'oubliez pas, si un jour vous faites prendre par la police ou par l'immigration, vous risquez 5 ans de prison ferme et 200 000 bahts d'amende. Voilà, en cas de travail illégal avéré. Les gens qui sont le plus concernés par ça, comme je vous disais, c'est les gens qui viennent en Thaïlande, qui travaillent illégalement et qui font vraiment beaucoup d'argent. Qui font 3, 4, 5 000 euros par mois. Effectivement, ces gens-là, comme ils ne payent pas de taxes, d'impôts, ils sont les plus susceptibles d'être pourchassé par les services de police, et ce qui est tout à fait normal. Donc fin du mois d'août, malheureusement la saison des pluies est bien installée, et comme j'ai peu d'expérience, je n'ai pas déblayé la jungle correctement. Et à la saison des pluies, la jungle, elle pousse à une vitesse, vous pouvez le voir tous les jours. Donc pour vous dire, si vous vous amusez à couper l'herbe une fois qu'elle fait plus de 2 cm, bah vous pouvez passer la tondeuse tous les 3 jours. Puisque l'herbe prend à peu près 1 cm par jour, c'est vraiment impressionnant. Donc n'ayant pas assez déblayé le chemin et n'ayant pas eu de trek pendant à peu près 2 semaines, la jungle a repris ses droits sur ce fameux chemin, et sans que je le sache malheureusement. Donc on a trouvé 2 Français qui étaient très intéressés par le trek et qui ont voulu donc le faire avec nous. Donc moi, les 2 Français et Yana, on est parti pour faire le trek. Donc tout s'est très bien passé, hein. On a jusqu'à Nui Bay, tout allait très bien, jusqu'au chemin du retour où ça a commencé avec une vipère sur la route. Donc ça a été compliqué parce qu'il a fallu la faire partir. Et la faire partir, c'est forcément aller à l'affrontement et commencer déjà à avoir des retours agressifs. Donc tendu, le retour commence très tendu. On continue à faire quelques pas, et après quelques pas, pas de bol, je passe, je ne vois rien, pas de serpent, rien. Et après mon passage, apparemment un serpent devait être pas très loin, et est sorti des broussailles, très énervé, en mode attaque, et s'est jeté forcément sur la personne qui arrivait derrière moi, Yana, qui a eu le temps de crier, et avec les 2 Français qui étaient entrés, qu'ils ont tous les 3 bien réagi, ils ont reculé, le gars qui était derrière, regardait derrière lui, ils ont vraiment fait attention de pas reculer dans les broussailles, parce qu'il pouvait y en avoir d'autres. Et donc dans ce laps de temps là, j'ai eu le temps avec mon bâton de pouvoir intercepter le serpent. Malheureusement à ce moment là, je pouvais plus rien faire. L'agressivité du serpent était telle, il envoyait une morsure toutes les 5 secondes. Toutes les 5 secondes, il essayait de mordre le bâton, il essayait de mordre. Et étant donné que c'est un serpent très venimeux, et comme je vous disais, les soins peuvent malheureusement ne pas être suffisants à Koh Phi Phi, le temps de prendre un bateau, de rentrer à Phuket et d'être sûr d'avoir l'antivenin, il y a de fortes chances que
on ait des sérieux problèmes. Surtout Yana qui est allergique à beaucoup d'insectes. Donc malheureusement sur le moment, ça m'a brisé le cœur, mais j'ai pas eu le choix. J'ai dû sortir ma machette et mettre fin au jour de ce serpent qui était trop agressif. Je m'en veux vraiment parce que j'aimerais, comme je vous le disais, malheureusement je suis pas herpétologiste, mais j'aimerais avoir les capacités de pouvoir gérer ce genre de situation, de pouvoir attraper le serpent, de le jeter dans la jungle et lui dire au revoir. Voilà, excuse-moi de t'avoir dérangé. Malheureusement à ce moment-là, souvent il faut pas être stupide dans la vie et il faut penser aux priorités. Et pour moi, à ce moment-là, ma priorité, c'était que Yana, elle se fasse pas mordre et que personne soit en danger. Et surtout que, après cette session qui a été, je peux vous dire, une sacrée montée en adrénaline, sur tout le reste du chemin dans la jungle, il y avait des serpents. Tout du long, on en a compté 8, dont un mort, ce qui était absolument pas rassurant. Mais ça a été un cauchemar. Le retour cauchemar de la jungle. Arrivé sur la plage, il m'a fallu 10 bonnes minutes pour m'en remettre, pour me redescendre un peu, parce que c'est vrai que c'était très 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 intense. J'en ai fait des cauchemars, ça je vous le cache pas. Donc n'oubliez pas, il y a des choses parfois, on s'en sent capable, mais on n'est peut-être pas prêt. Et je me suis rendu compte que voilà, j'avais fait pas mal d'erreurs, qu'aurait pu nous coûter très cher encore une fois, et que encore une fois on a eu de la chance, je sais pas, mais on s'en sort bien. Faites quand même attention, c'est très important, comme je vous dis, il y a des choses qui restent très dangereuses. Donc après ça, j'ai pris la décision, bien sûr, de faire le nécessaire, de nettoyer et de débroussailler la jungle pour plus avoir ce genre de problème. Donc j'ai réfléchi à plusieurs solutions. Il y a la solution des poulets, mais je me voyais mal me trimballer avec des poulets avec les clients. Vous voyez, le gars il vous emmène dans un trek dans la jungle et il a 5 poulets attachés autour de lui, c'est un peu bizarre quand même. Donc là on est parti sur le débroussaillage et mettre de l'ail. Mettre de l'ail principalement, qui est un répulsif naturel de tout. En fait, les serpents vont attendre sur la route parce que c'est le passage des rongeurs. Donc si vous avez des rongeurs qui passent, vous risquez d'avoir des serpents. Si vous avez des broussailles, vous risquez d'avoir des serpents en guet-apens. Et tout ça, c'est les choses qu'il faut éviter. Donc du coup, je suis parti pour nettoyer ce fameux chemin et répandre un peu de l'ail tout du long. Ah, pour continuer cette superbe aventure avec la chance que j'avais, j'étais tranquillement en train de débroussailler le chemin et... Certains d'entre vous le savent déjà, mais je suis myope à moins 11. Donc c'est une grande myopie, ce qui veut dire que quand je perds mes lunettes, je suis aveugle. Aveugle, c'est-à-dire je vois pas à plus de 10 cm. Et je peux vous dire que dans la jungle, être aveugle, c'est un problème. Donc je débroussaillais tranquillement les hautes herbes, les broussailles. Quand tout à coup, un frelon que j'ai énervé parce que je sais pas, j'ai coupé la mauvaise herbe apparemment, s'en est pris à moi. Alors le problème, c'est qu'il s'en est pris directement à mon visage. Donc comme un réflexe humain qui paraîtrait intelligent à n'importe qui, forcément j'ai essayé de l'éclater avec ma main. Sauf que la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est faire valser mes lunettes et donc devenir aveugle. Donc sur le moment, j'essaye de trouver mes lunettes, c'est logique. C'est à ce moment-là que je me suis fait piquer une première fois à la joue par le frelon. Et quand je vous dis piquer, vous n'avez pas l'impression... Une aiguille, ça fait pas mal. Une aiguille, ça va, on fait une prise de sang, ou c'est vraiment léger. Non, là, ça fait comme une décharge électrique. C'est vraiment instantané et la douleur monte petit à petit, voilà, en crescendo pendant l'heure qui suit. Donc, je me suis fait piquer à la joue une première fois... Ça fait mal, je pense avoir peut-être éliminé le problème en tapant le frelon, ou peut-être que le frelon a décidé, voilà, je t'ai piqué, c'est fini. Donc je continue de chercher mes lunettes, et là, il me pique une deuxième fois à l'épaule, pas le choix, je m'en vais en courant. Je m'en vais en courant, le problème est toujours le même, c'est que je suis au milieu de la jungle, j'ai plus mes lunettes, et bien sûr je suis tout seul, sans mon téléphone, voilà... Bien sûr, logique. Enfin, si, j'ai mon téléphone, mais il n'y a pas de réseau. C'est à peu près la même chose. Donc du coup, j'attends un peu et j'essaye de lutter contre les douleurs de ces deux piqûres, qui sont quand même assez intenses, et de me dire, il faut que je retrouve mes lunettes, c'est ma priorité. Donc je reviens en arrière, je cherche dans les broussailles,
Au moment où je finis enfin à mettre la main sur mes lunettes, soulagé, c'est terminé, paf, je me refais piquer l'autre épaule. Une troisième fois. Ah là, j'ai pas demandé mon reste, j'ai attrapé donc mes affaires, j'ai mis mes lunettes et j'ai couru, je suis rentré à la maison. J'ai pris une douche, à ce moment-là j'ai appelé Yana, je lui ai expliqué que je me suis fait attaquer par un frelon, j'ai été piqué trois fois. Je vais me reposer 5 minutes et on se voit tout à l'heure. Ah, au bout d'une heure, c'est passé. Je pense que j'ai de la chance de pas être allergique ou de pas être comment dire, peut-être sensible, voilà, peut-être sensible à ce genre de piqûre et ça s'est plutôt bien terminé. Du coup, j'y suis retourné 2 ou 3 jours après avec plus de monde pour m'aider à débroussailler et pouvoir enfin reprendre le trek. Et effectivement, après le débroussaillage, on n'a plus eu ce genre de problème. Donc encore une fois, on en revient toujours à la même chose. Dans la vie, il faut toujours savoir s'adapter et être préparé le maximum. Se préparer le maximum. Si vous aimez, je sais que les étrangers, ils adorent se balader dans la jungle, dans les montagnes, faire des treks, faire des hikes, etc. Et qu'ils aiment pas forcément avoir de guide. Soyez très vigilants en Thaïlande. Une petite jungle qui paraît anodine peut parfois cacher des serpents très dangereux et des pièges, comme certaines plantes très irritantes ou même toxiques. Si vous ne connaissez pas, faites attention. Prenez un minimum de précautions avec vous et si vous pouvez un guide, je recommande de prendre un guide. Alors à savoir, je disais que du coup c'était un travail illégal pour deux raisons. La première, j'étais en touriste, hein, j'avais pas un visa non-immigrant et un work permit pour ça. Et la deuxième, guide en Thaïlande est un métier réservé aux Thaïlandais. Donc si jamais vous voyagez en Thaïlande et que quelqu'un se présente à vous en tant que guide mais n'est pas thaïlandais, c'est un travailleur illégal. Et à partir de là, vous pouvez avoir des problèmes. Voilà. Donc c'est bon à savoir, si vous voulez un guide, il doit à 100% être thaïlandais et normalement ils ont une petite carte. C'est une licence, comme la carte de sécurité sociale, qui dit qu'ils sont guides reconnus en Thaïlande. Et en général, ces guides-là, c'est les plus intéressants et les moins chers. Donc je vous conseille de faire attention à ces petites choses quand vous partez en voyage. Voilà, ça a été une sacrée expérience d'être guide. J'ai beaucoup aimé. Sincèrement, j'aimerais faire ce métier, j'aimerais exercer guide en Thaïlande, ce serait un rêve, mais malheureusement c'est pas possible. Alors j'essaie de mettre en place des cours pour aider les Thaïlandais à pouvoir accéder à ce métier qui est un super métier. Je trouve que guider les gens c'est vraiment génial, faire découvrir des choses magnifiques, ça a toujours était quelque chose qui m'a plu. On a beaucoup randonné, on a beaucoup voyagé quand on était jeune grâce à mes parents. J'ai eu la chance d'avoir une enfance dorée et de pouvoir voyager à chaque vacances, que ce soit en montagne, au ski, à la mer. Et c'est vrai que j'ai toujours eu le goût de découvrir, de partir dans la forêt, de voir que cette plante elle peut soigner ci. Ça m'a toujours intéressé. Et ici en Thaïlande, on est plutôt, comment dire, gâté par la nature. Voilà, j'espère que mon petit épisode vous aura plu. Je pense que mon prochain épisode sera sur justement ma vie de vrai travailleur illégal à Koh Phi Phi en tant que manager d'hôtel bar restaurant. Merci à tous pour m'avoir écouté. À bientôt. จับเจ้าอยู่นะ
Anna Tam ran chun ban jai Lok an jamai zui Nai bap thi rao wang Dan thi pen kwam ngam Nan mak ba yu Mi shiwit thi mai tho คุณก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะชัยนะครับเป็นตัวแทนของทุกๆท่านนะครับผมนะครับอวยพรให้นะชัยนะครับรักรักนะจ๊ะรักนะจ๊ะจ้า